Eh bien salut tout le monde, c'est TheCreepy31 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play sur Borderlands The Pre-Sequel. Et oui, un petit let's play comme ça, gratuit, qui arrive, qui débarque. Parce que vous êtes après tout. Donc ce petit let's play il sera sur deux chaînes, donc je le ferai sur sur ma chaîne hein, déjà. Et sur une autre chaîne qui s'appelle MCK Team, auquel j'y fais partie. Et aujourd'hui on va faire pas le jeu en entier parce que j'ai pas envie de le faire en entier. On va juste faire le DLC Into Claptrap, je sais plus comment il s'appelle, voilà, ça commence bien. Voilà. Donc bah c'est parti, on y va. Oh, faut que je vole un peu de cette technologie. Donc c'est parti. Athéna, tu peux encore raconter l'histoire? J'ai tout loupé. Et tu pourrais rajouter des piou, des bains et des piou, piou, un petit peu partout. Cette histoire est ce qu'elle est. Je ne vais rien ajouter qui ne soit pas arrivé. Eh ouais, cette histoire est ce qu'elle est. Si tu veux traîner avec les grands, tu dois respecter nos règles. N'assois pas là, c'est pour la princesse Ralatouf. Et là alors? Princesse Ralatouf, dis que tu peux. Ok. Vous êtes prêts? Et comment? Et n'oublie pas, des guirlandes de piou, et de bang et de piou, 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 piou. Bon, ça s'annonce pas mal. Harold, c'est quoi ce mémo secret? C'est écrit dessus, récupération mémoire urgente de l'unité Fractrap. Oh, espèce de vieux renard. Mais qu'est-ce que tu lui veux à mon unité Claptrap? Pardon, qu'est-ce que tu as dit? Il va falloir que tu parles plus fort. Harold, on ne se dispute pas. Qu'est-ce qu'il a dit, le thérapeute? Non, le code source H existe. La toute-puissance numérique. Je veux. Non mais tu te payes ma fiole ou quoi? Tu l'as caché là-dedans? Comment je vais le faire sortir, bordel? Tu sais quoi, Harold? Laisse tomber. Je vais mener l'enquête. Salut. Bon. Rejoins-moi dans mon labo secret sur le pont 13 ennemi. Bon bah voilà, on est sur le pont 13 ennemi. C'est bizarre, je sais. Mais le pont 13 ennemi se trouve entre les ponts 13 et 14. Tu comprendras. Je pense que la référence vient d'Harry Potter avec le pont 12K, 3K. Je le rappelais. Quand même que je me suis chié. Donc, on est au pont 13 et il faut qu'on aille au pont 14. Et qu'on essaye de passer au milieu. Donc, voilà. Là on est au pont 14, ensuite il faut descendre ici et on est au pont 13 et demi. Voilà. Bon, ça, ce DLC a l'air plutôt sympa donc. C'est parti, on y va! Oui! Je vais être le beau Jack. Hey, j'ai un job super cool à te proposer si ça te branche. Ça te branche? Oh oui, ça te branche! Bon, je vais la faire courte. Le code source H, des prototypes, des codes d'accès, des secrets internes à en perdre la boule. Oh, le rêve pour un beau PDG flambant neuf. Je le veux, il me le faut, sérieux. Je vais le pécho. Mais ce vieux chafouin de Taciteur l'a planqué à l'intérieur de mon unité Claptrap expérimentale. Parce que c'est un con. Et avec tous ces protocoles de sécurité, y a pas moyen de l'extraire. Donc pourquoi es-tu ici? Eh bien, va d'abord te brancher à ces numérialisateurs. Parce que je dois te numérialiser. D'accord. Bon bah très bien. Ben c'est parti, on va se numériser. Et on va prendre celui-là. Parce qu'il est classe. Bon, et après, chef? Ça va faire mal, peut-être. Sûrement. Je sais pas trop. Surprise! Yes, c'est parti, téléporte quelque part. Bienvenue au prototype d'Hyperion, un genre de sas numérique qui prépare ton code vital avant l'insertion dans Claptrap. Je l'ai connecté au numérialisateur. Et c'est là que je multiplie le génie par un mégamilliard, au moins. Wow. Allez, ramène mon PC, ce je truc. Je suis déjà content bon. D'être en vie. Alors, voyons voir. Ça va où, ça? On a une porte. Là, je récupère le mot de passe admin. Et... c'est genre méga important. Et on a une... on a un mot de passe, admin. Bon, voilà. Je l'ai. Et maintenant? Oh, comment ça va trop te plaire? Je dis ça sans sourciller, évidemment. Bon, dirige-toi vers la console et lance mon programme de Digisim pour charger une simulation de l'esprit de Claptrap, si on peut appeler ça comme ça. C'est parti, on commence la simulation. Je t'ai demandé de recharger. Initialisation du programme. Allez, c'est parti. Simulation. Donc c'est parti. Ça te mènera à une simulation de la conscience de Claptrap. Oui, on sera à l'intérieur de Claptrap. Ça sera impressionnant. Moi, je table sur des vidéos de chatons qui tournent en boucle.
Ouais, mais aussi, il aime bien regarder des Lovecraft. Son esprit te prenne pour du code natif. Cool, non? Tu n'as qu'à entrer, remettre le mot de passe admin, récupérer mon code source H et revenir. Fastoche, brioche. Est-ce qu'on peut avoir des lingettes désinfectantes? Je parie que c'est une vraie décharge, hein? Non? Ah, ok. Bon, bah, c'est parti. Suspense, voici la révélation. Oh là là, c'est quoi ce bordel? On s'y claptrap et on va rentrer dans son ventre. Bah, très bien. Ou dans quelque part d'autre. Bon, bref. C'est parti, on rentre dans claptrap. On va pénétrer claptrap. C'est parti. Ouais, bon, c'est pas classe. Bah, nous voilà. Ah, voilà, nous sommes dans claptrap, c'est génial là. Tu es en un seul morceau. Waouh. Est-ce que c'est usu? Bon, te voilà donc dans une simulation de la conscience de Claptrap. Oh, mais c'est lui. Je suppose qu'on y trouve un tas de versions numériques de souvenirs, de gens et de réflexions diverses. Regardez, c'est beau déjà qu'il est beau. Oh, bah, ça devrait pas se bousculer là-dedans. Bon, bah voilà. Alors, ceci est très utile, ça veut dire... est-ce que cette note est utile? Non, je pense pas. Donc, on se casse. Ok, je sais plus ce que ça veut dire, celui-là. Bon, bref, Osef. Alors, c'est parti. Après ne pas avoir parlé pendant 10 millions d'années, c'est parti. On y va dans le Nexus. Oui. C'est parti, le Nexus. Ok, bon, on y est. Vous voulez de l'aide pour vous déplacer dans le coin? Alors, mouche 5 arc.01.bat. Bon. Ça... 5 dollars. Je vais pas perdre de la thune. Putain, mais. Bon. Ils me les brisent sévère, donc on se casse. Ils ont. C'est bon, ils nous suivent plus. Bon. Alors tout va bien. Oh, un claptrap. Globetrotter numérialisé, et bienvenue. Je suis la conscience de Claptrap et son processeur supérieur. Ouais! On n'a pas beaucoup de chance. Et voici notre claptrap. Tu parles d'un job. Et on dirait que tu t'es trouvé un guide, hein. Bon courage, alors. Oh, t'as un mot de passe admin, c'est ça? Waouh, t'es quelqu'un de spécial. Je vais te montrer où tu peux le mettre. Non, c'est pas sale. Je veux dire, je vais vraiment te montrer. Bon bah déjà Claptrap est un peu con en faisant des allusions sexuelles, c'est bien. Pour Claptrap. Bon alors c'est parti, on va là où il nous a demandé d'aller, donc on va là. Avec les trucs très utiles. Waouh, une sapification dans Claptrap. Comment on peut shipper quoi que ce soit quand on est réduit à un tas de 1 et de 0? Princesse Ralatouf veut surtout savoir ce qui s'est passé après. Continue Athéna s'il te plaît. D'accord. Oh, il y a des ennemis. Je suis mort de honte. J'avais pas vu ici en pleine manifestation. Attention, on fait partie d'une zone de combat. Allez, c'est parti, on combat. Qu'est-ce que j'ai une arme qui pourrait m'être utile? Oui, incorporer tes cheat codes. Voilà. Ça, c'est de l'arme. Bon, bah voilà. C'est cool. Bon, je pense que pour ce premier épisode, j'ai pas trop parlé. Vous êtes tous. On a déjà défoncé tous les ennemis. C'est plutôt cool. Donc voilà. Voilà. On monte, on se casse. Le Nexus avec un bug solide. Et ce bug on le détruit parce qu'on n'a pas de respect vers lui. Voilà. Hop. Hop. Pour l'instant il n'y a pas grand chose. On est dans Claptrap. On va essayer de récupérer tous les plans secrets. J'espère que ça va être cool. Donc un tonneau de glace. Je sentais que ça pue de la merde. Ok. On se casse. Il y a la conscience de Claptrap. Merci de me dire que je dois monter là.
Voilà. Donc ensuite, on a un gros claptrap qui a 30 millions de bras. Et 600 000. Quand on aura fini avec le mot de passe, je pourrais l'avoir. Enfin, tu sais, j'en ai plus besoin, quoi. Bon, faut que je dise bonjour à ce claptrap. Hey, 600 000, c'est moi. Très franchement, ça n'arrivera pas. Il m'a pas entendu. On va faire le tour. Mise en file d'attente de la demande. Refusez. Ouais. Et ouais. Bon, bref. Des trucs qui m'intéressent bien, des coffres. Qu'est-ce que vous voulez? L'argent, ça fait le pouvoir. C'est mon truc qui fait l'argent, qui fait le pouvoir, rien dire. Waouh, des pubs. Apparemment, ici aussi, ouais. Il y a des pubs. J'ai ce mot de passe, là, et j'aurais vraiment besoin du code source H. Numéro d'acteur. Merci. Bien, donnez-moi ça. Ah, tiens, ton mot de passe. C'est délicat. Le code source H est dans la mémoire 2. Cluster 00773 Pandore étiqueté ne pas retiré par le proxy taciteur. Privilège de mot de passe admin. J'ai... Pardon? Non, mon mot de passe admin. Je pense qu'il y en a un qui est dégoûté. Et voilà, je fiche tout en l'air. Merci infiniment. Bon. Un mot de passe admin disparu. Comme ça. Ok, j'ai tourné la page. Au moins, il te reste encore un moyen d'obtenir ce que tu veux. Et je peux t'aider. Captain va nous aider, attention, oh mon dieu. Voilà. Ok, je crois qu'on tient. Voilà, on a des armes. Oui, on a tu des armes, c'est génial. Je vais prendre le blaster, il a l'air classe. Voilà. Tu fous le camp d'ici. Okay. Et bien, je vais monter d'un niveau, c'est cool. Pas la mer à boire. Bon. La mémoire 2, hein. Eh ben voilà. J'ai pas trop parlé pour cet épisode, mais je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Donc voilà. On va attendre d'abord qu'il se cache, voilà, il a fini de parler, donc voilà. Et ben j'espère que ce petit épisode 1 vous a plu, on se retrouve pour la mission recherche officier, à finir dans le prochain épisode. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, et la suite du Let's Play. Sur ce, bye tout le monde.